Comment savoir est-ce que c'est le bon homme pour toi, le bon partenaire pour toi, le bon futur mari pour toi? Quand tu es avec lui, tu te sens heureuse, tu as des papillons dans le ventre, tu as le cœur qui bat à la chamade, tu as un sourire et tu fais un étalage complet de ta dentition, mais pas que ça. À chaque fois que tu exprimes des besoins, il est là pour venir répondre à tes besoins. Et le plus important surtout, tu te sens une meilleure personne en sa compagnie. La meilleure version de toi-même sort. Mais le plus important, si tu passes ton temps à pleurer auprès de cet homme, c'est que franchement, tu es sur le point d'épouser un oignon et pas un homme. Change de partenaire. Tout le monde n'est pas fait pour toi, mais il y aura forcément la bonne personne faite pour toi. Respecte-toi, respecte tes besoins et écoute comment tu es auprès de cette personne et ensuite décide-toi. S'engager dans le mariage, c'est un engagement qu'on doit prendre très au sérieux. Prends le temps de bien étudier ton partenaire et surtout qui tu es quand toi tu es à côté de lui. C'était Nahid Rached, Hada Houa, et Allah yahfidkoum.